Salut à tous. Dans notre rubrique découverte, on fait un zoom sur Woyo Koulibaly, un jeune footballeur d'origine malienne qui est éligible avec les Aigles du Mali. Né le 26 mai 1999 à Jeunesse en France, Woyo Koulibaly est un jeune footballeur professionnel franco-malien qui connaît une belle ascension. L'arrière-droit de formation d'origine malienne a débuté avec les jeunes d'AC Havre de France, saison 2018-2019. Grâce à son talent, le joueur de 1m88 a intégré l'équipe B de la même formation française. Lors de la saison 2020-2021, il a effectué 26 matchs et réalisé une passe décisive en Ligue 2 française avec le Havre. Dès lors, son profil a intéressé plusieurs clubs européens. C'est dans cette logique qu'il a été transféré le 30 août 2021 à Parme, en Série B italienne. Sur place, il a passé avec brio ses examens médicaux à l'hôpital polyclinique d'Alla Rosa, Prati. De nos jours, sa valeur marchande est estimée à 2 millions d'euros. Son profil doit intéresser la sélection malienne dans la mesure où chaque poste doit être renforcé avec des jeunes talents comme celui-ci. Par ailleurs, Mohamed Marassoua, sélectionneur des Aigles, a expliqué à plusieurs reprises que la porte de l'équipe nationale fagnon du Mali est toujours ouverte. Mais dans certains cas, il est important que la Fédération malienne de football démarche les jeunes joueurs susceptibles de renforcer l'équipe A du Mali. Enfin, notons que Woyo Koulibaly possède de la double nationalité, Mali-France.